point lire dans Exode, au chapitre 22-3, le verset 20 à 23. Je lis dans le nom du Seigneur, Jésus-Christ, Exode 23, à partir du verset 20 jusqu'à 23. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si vous pouvez prendre patience avec moi et lire encore dans le livre d'Éphésiens, au premier chapitre, Éphésiens, premier chapitre, je dirais le verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Précieux Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour ton omniprésence, de savoir que tu ne fais jamais faillir ta parole. Tu as déclaré guéri, c'est ce qui accorde le baptême du Saint-Esprit. Et tu as commencé à faire ces choses depuis le commencement. Laisse-moi trouver grâce devant toi, Seigneur Jésus, m'humilier devant mes frères et devant toi, Père, pour que je puisse obtenir aussi faveur pour mon âme. Père, bénis cet après-midi, cet avant-midi, alors que nous sommes ici ensemble, Seigneur, et arrête-moi lorsqu'il sera temps de m'arrêter, Seigneur. Je abandonne aussi cette église entre tes mains. Seigneur, tous ceux qui soutiennent cette œuvre ici, Seigneur, que tu puisses le bénir. Tous ceux qui se trouvent tout aux côtés du pasteur Salem, que tu les bénisses, Seigneur Jésus. Combien ce travail est très difficile ici à Bruxelles, Seigneur, une capitale où il y a plein de gens, plein d'esprits, Seigneur. Tenir une œuvre ici, Seigneur, ça ressort simplement de ta grâce. Et Père, bénis mes frères qui font combattre le bon combat de la foi, qui en dépit, tendre Père Céleste, de tout ce qui peut paraître comme péché, Seigneur, résiste, et ils sont aussi placés positionnellement dans ce pays afin qu'ils fassent ta volonté. Quant à la prédication, Seigneur, tu sais que je ne peux que m'attendre à toi. J'ai écrit des petites notes simplement, Seigneur, comme le prophète nous demande de faire. Et toute ma pensée et mon inspiration, c'est simplement ce que Branham a déjà dit, Seigneur. Je ne pourrais pas inventer ni essayer de montrer quelque chose. Seigneur, je serai simplement un menteur. Je veux m'attendre à toi, Seigneur, pour que tu puisses vivifier ta parole, Père éternel, afin que ceux qui l'écoutent ne l'écoutent simplement pas de l'oreille, Seigneur, mais que cela pénètre jusque dans l'âme, tendre Père Céleste, de tes enfants, et qu'il le fasse connaître quelle est ta position, Seigneur, en ce moment ici, et quelle est aussi la position de l'Église. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que si nous te demandons quelque chose, et si nous le faisons de bon cœur, non pas avec des motifs égoïstes, toi, tu exauces notre prière. Et c'est ce que j'ai fait, Seigneur. J'ose croire que tu m'exauces en ce moment et que tu exauceras aussi toute personne qui veuille nous écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Le
sais pas si vous m'écoutez très bien. Je crie? Si je crie, dites-moi, j'essaierai de diminuer. J'avais pensé qu'il serait peut-être agréable pour nous aujourd'hui de parler tous ensemble, donc moi et vous, que nous puissions revisiter un peu notre position. Amen. La position de l'Église. Dans le jour où nous sommes, ce sont vraiment des jours très difficiles. Et parfois on s'égare, et parfois il y a certains qui ont écouté le message depuis trop longtemps, et ça commence à faire aussi qu'à la nuit du chemin, certaines personnes sont nouvellement venues dans la parole de Dieu, et il y a l'exaltation, il y a la joie, mais nous devons, lorsqu'on fait un parcours, il est nécessaire de savoir d'où on a commencé et où on va. Amen. Et lorsqu'on connaît toutes ces positions, même si ceux qui voyagent avec des GPS et tout ça, ils savent que pour mieux se diriger, il faut connaître la position où on se trouve. Et il est impératif parfois qu'on nous rappelle nous-mêmes, que le Saint-Esprit nous rappelle où nous nous trouvons. Et la fois passée, j'avais apprécié du plus profond de cœur la prédication du pasteur Salem. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Je l'ai entendu plusieurs fois prêcher. Mais pour moi, l'entendre prêcher, ce qu'il a dit ces jours-là, Paul prisonnier de Christ, amen, ça a ramené mon cœur, et donc ça nous rend très petits. Nous voulons simplement devenir tous ensemble des prisonniers du Seigneur, pour que nous puissions avancer. Donc Dieu le bénisse, ça restera comme une archive dans mon cœur. Donc où je m'en irai, j'irai encore relire cette brochure 10 fois pour que je puisse l'analyser et aller dans le détail de tout ce qui est dit. Amen. Et donc, je parle de la position de l'épouse aujourd'hui. La position de l'épouse, notre position à nous, votre position et la mienne. Quelle est notre position? Et vous savez, Frère Branham a parlé, a prêché longtemps et longuement sur la position de l'épouse. Et la série des prédications concernant les Hébreux, il parle de cela. Donc, c'est vous qui avez encore, qui êtes de vieux système comme moi, les épîtres aux Hébreux, donc tout ça, c'est plutôt les épîtres aux Éphésiens, ça parle de la position que l'Église a aujourd'hui en Christ. Amen. Amen. Et si vous visitez ces prédications du frère Branham, je vous recommande de beaucoup lire les prophètes. Amen. Et beaucoup écouter les prophètes. Ça vous évitera d'être emballé gauche à droite, parce que tout ce que Dieu voulait dire dans cette génération, il l'a rendu public. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des supports à notre disposition, où nous pouvons nous-mêmes aller, parce que nous ne sommes plus dans les temps des Nicolaïtes où il n'y avait qu'une caste des gens qui avaient la vérité, qui détenaient la vérité, que tous les autres devaient simplement écouter. Et nous voulons, je pense que le pasteur Salem, ainsi que moi et d'autres serviteurs de Dieu, stimuler l'Église à lire et à écouter ce que le prophète a dit. Et le Saint-Esprit aidant, il vous montrera, il va vous inspirer sur votre manière et sur votre conduite. Amen. Amen. Donc, sur base de cela, je fais juste une petite chose. Donc, je pense que ça sera bien pour nous tous. Je commencerai par dire ceci. Que dans la prédication, je m'en vais lire mes notes. Dans la prédication, Israël et l'Égypte. Et Frère Branham parle, il est prédication Israël en Égypte, donc prêché en 1953. C'est le 25 mars que Frère Branham prêche, au paragraphe 42, j'allais dire. Mais si vous pouvez commencer plus au-dessus, Frère Branham est en train de dire ceci. Il montre d'abord, dans cette prédication, je ne sais pas si vous vous rappelez toujours, vous vous souvenez, pourquoi on parle tant d'Abraham? Parce qu'Abraham, c'est le type même, c'est le commencement. Pour nous, il est le Père, c'est le commencement de notre grâce. Donc, si on veut faire la vie chrétienne, si on veut savoir où nous nous tenons, nous devons avoir un repère où commence la vie chrétienne. Nous savons que c'est bien, nous pouvons parler d'Adam et tout ça, mais je dirais que dans la dispensation adamique, ça veut dire la dispensation d'Adam, nous voyons que Dieu a dit à Adam, si tu fais ceci, il y aura ceci. Si tu manges ceci, tu mourras. Donc, il y avait des conditions. Les saluts étaient en quelque sorte conditionnés dans la réussite ou bien dans la capacité humaine de pouvoir faire quelque chose. Et nous avons découvert que, quelles qu'étaient les bonnes intentions d'Adam et tout ça, il a failli.
Et il est tombé. Amen. Amen. Et Frère Branham nous renseigne que depuis ce moment, Dieu ne veut plus. Dieu a vu que l'homme était incapable de pouvoir respecter ses alliances et il y a eu une autre alliance. Ce n'est plus l'alliance des « si ». Si tu fais ceci, alors Dieu se jure par lui-même. Donc Dieu pense que il nous aime et il veut que nous puissions être avec lui. Mais en même temps, il voit qu'il ne peut jamais compter sur un homme, établir une alliance avec un homme pour l'amener pour son propre salut. Alors Dieu se résout par lui-même. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il le fait avec serment. Il dit pas simplement que je vous sauverai, il dit assurément. Donc il le dit comme s'il voulait jurer avec une autre personne, mais comme il n'y a point de personne qui soit à la taille de pouvoir faire une alliance avec, Dieu s'est fait une alliance avec lui-même concernant notre salut. Et c'est pourquoi lorsque il fait cette alliance, Dieu ne va pas chercher quelqu'un qui a plein de capacités ou quelqu'un qui serait bon, qui sortirait d'une famille extraordinaire ou qui serait je ne sais comment. Dieu va chercher le patriarche Abraham. Et si vous remarquez, ce que je dirai dans peu de temps, Abraham venait du pays de Chinéa. Et c'est aujourd'hui ce qu'on peut appeler, c'était un pays païen. Donc on ne peut pas dire, je lis quelque part, le prophète dit, son père était païen. Donc il était un adorateur d'idole. Donc ce n'était pas quelqu'un qui aurait fait quelque chose de spécial pour se faire agréer un motif ou bien quelque chose. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est simplement l'amour de Dieu qui a jeté un regard sur un homme, un vieux homme appelé Abraham, qui lui dit de sortir. Amen. Paragraphe 42 de cette prédication, Israël en Égypte, prêché par William Branham, en 1953, le 25, il dit, 42, Abraham avec son père arrivait de Babylone et il s'est rendu à Shinéar, la vallée de Shinéar, où beaucoup voyagèrent après la destruction de Babylone ou après que la confusion fut arrivée. Le père d'Abraham avait fait descendre Abraham et ses bien-aimés à Shinéar. Et dans tout ce pays, parmi tous ces gens, Dieu trouva faveur d'un seul, ou plutôt un seul homme trouva la faveur de Dieu. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez ceci. Et le commencement du christianisme. Amen. Amen. Frère Branham dit, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme, de l'Église. Et je voudrais que vous remarquiez que ce n'était pas parce que Abraham était un homme bon. C'était parce que Dieu a élu et choisi Abraham. Ce n'était pas parce qu'Abraham qui a choisi Dieu, c'était Dieu qui choisit Abraham. Pouvez-vous voir cela? Maintenant, je voudrais que nous rentrions dans les détails. Parce que plusieurs personnes, lorsque nous posons des questions, Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Frère, moi je pense simplement que si Dieu vous a choisi, vous devez être l'homme le plus heureux. Vous devez être la femme la plus heureuse. Vous devez être la personne la plus exubérante parce que Dieu vous a choisi. Le choix d'un individu peut paraître douteux. Le choix d'un individu peut paraître comme si cela peut s'arrêter quelque part. Mais lorsque la personne est infinie, qu'est Dieu lui-même, porte son regard et qu'il te choisit, tu dois être la personne la plus heureuse. Parce que Dieu ne peut pas faire un mauvais choix. Dieu, avant qu'il ne fasse un choix, parce que nous sommes les êtres qui sommes dans le temps. Et généralement, nous avons tendance à nous imaginer des choses dans le temps. Parce que nous disons, le temps, il y a un commencement, il y a une fin. Et dans le temps, nous pouvons regarder, ah, Dieu m'a aimé aujourd'hui, ou bien Dieu m'a aimé hier et tout ça. Mais Dieu, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de hier, il n'y a pas de demain. Nous ne pourrions jamais, avec notre propre cerveau, nous imaginer ce que représente l'éternité. Les choix de Dieu sont éternels. Il ne fait pas ses choix dans le temps, parce que c'est nous qui voyageons dans le temps. Nous pouvons nous déterminer par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui, par rapport à demain.
Mais Dieu, quand il fait un choix, ça veut dire qu'il est hors du temps. Vos hier, vos aujourd'hui, vos demain, ça ne concerne pas. Lui, il est en dehors, il est le je suis. Donc, le choix du je suis qu'il fait aujourd'hui, c'est un choix qui était hier. C'est un choix qui est aujourd'hui, c'est un choix qui est demain. Amen. Peut-être qu'Abraham pouvait s'imaginer, bon, Dieu a fait son choix, il m'a choisi aujourd'hui. Mais pour Dieu, ce choix-là n'était pas aujourd'hui. Pour Dieu, c'était un choix éternel. Amen. Ainsi, Foi Branham dit ici ceci, pouvez-vous voir cela et maintenant regarder. Maintenant, comment c'était alors? Il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. C'est Dieu qui vous choisit. Amen. Maintenant, c'est une élection. Vous voyez, le choix de Dieu, Dieu ne peut pas procéder à ce choix s'il ne vous a pas élu. Amen. Ça c'est vrai. Donc, le choix de Dieu devient par automatique une élection parce qu'il est hors du temps. Amen. Étant hors du temps, donc, s'il prononce quelque chose, alors, dans les temps, nous disons, Dieu nous a choisis. Amen. Ça devient une élection. Et quand on parle d'une élection, on voit une prédestination. Amen. Donc, il vous choisit pour vous amener quelque part. Amen. 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 Il dit ceci. Vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence. Non, monsieur. Car vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous faisons reflet de cela. Donc, nous pouvons nous souvenir ceci. Oui, l'alliance adamique, c'est très bien, parce que nous descendons de là. Mais cette alliance que Dieu est en train de faire, ça, c'est l'alliance que Frère Branham dit sur le commencement du christianisme. Le christianisme n'est pas basé sur des lois ou des exigences que quelqu'un aurait fait. Je comprends la vieille école qui nous a enseigné durant des années et des années. 2000 ans, nous avons été, c'est vrai, que l'homme devait faire quelque chose pour essayer de pouvoir se faire sauver lui-même. Et dans cette astuce du diable, nous voyons que c'est la seule manière qu'il peut nous garder captifs. Il a essayé de nous faire penser, de nous mettre dans notre tête et de faire ancrer cela que nous avons quelque chose à voir avec notre salut. Mais bien aimé, c'est peut-être que nous sommes dans le temps et dans le temps, nous ne pouvons pas nous imaginer la grandeur de la personne dont nous sommes en train de parler. Pourriez-vous vous imaginer qui est cette personne qui nous a choisis? Frère Branham dit, avant qu'il y ait une puce qui tombe par terre, Dieu savait. Amen. Comptez, il connaît tous les nombres de vos cheveux. Amen. Moi-même, je suis incapable de connaître le nombre de mes cheveux. Et je pense que vous n'en saviez pas non plus. Il connaît même le nombre du sable de la mer. Amen. Et il connaît toutes les galaxies, les étoiles et toute la grandeur de cette personne. Amen. Comment puis-je m'imaginer un seul instant que je puisse essayer de me faire sauver par rapport à cette personne? Dieu est si parfait. Amen. Que son exigence concernant la perfection doit être parfaite. Amen. Il ne va pas accepter quelque chose à 79%, il n'acceptera jamais cela. Amen. Vous pourrez vous essayer de vous sauver vous-même. Vous pourrez essayer aujourd'hui de vivre une vie très haute. C'est ça. Et vous dites que c'est très bien. Amen. Amen. C'est ce que je veux comme pasteur que vous viviez. Amen. Mais n'empêche que votre vie haute n'étonne pas Dieu. Amen. Vous faites distribuer des choses, vous dites, oh, j'ai bien fait. Mais l'homme a été fait pour faire du bien. Amen. Vous avez été créé pour faire du bien. Amen. Vous avez été créé pour vivre dans la perfection. Amen. Donc vous n'allez pas, en essayant de vivre dans la perfection, étonner Dieu. C'est la seule chose dont il vous a été demandé de faire. Être au top tous les jours, être 100% pour refléter sincèrement la nature de Dieu. Et lorsque cette chose a été cassée, c'est devenu difficile pour un homme, pour que nous puissions retourner à notre position idéale. C'est pourquoi il fallait que ce soit Dieu lui-même qui puisse prendre le devant, venir faire ce travail de la rédemption, amen, afin de nous replacer dans la position que Dieu accepte. Amen. Amen. Certainement que quelqu'un dira, bon, moi je ne pense pas que celui-là, il est parfait. Celle-là, elle n'est pas parfaite. Ça c'est quelqu'un qui le dit. Vous voyez? Ça, c'est un homme qui le dit. Ça, c'est toi qui l'ai dit. Et généralement, vous savez, tout le monde peut avoir un jugement approprié. Vous pouvez avoir un jugement sur moi, moi je peux avoir un jugement sur vous. Et nous avons des jugements les uns les autres. Mais Dieu aussi a un jugement sur nous. Vous voyez, vous pouvez dire que non, cette personne, je l'ai vu faire.
Dieu a des sentiments. Alléluia. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez? Mais lorsqu'il concernait la consistance des œuvres, la consistance des œuvres que Ésaü faisait, ça pouvait montrer réellement qu'il pouvait tromper même son père Jacob. Et le prophète pouvait même se tromper. Parce qu'il demande à son fils aîné, il dit, je deviens aveugle, je ne vois plus. Alors toi, c'est toi qui es l'aîné, c'est toi qui vas à la chasse. Il dit, le petit là, il reste toujours tout près de sa mère. Mais moi, je vais te donner la bénédiction. Alors va tuer du gibier pour m'apporter. Il était sincère dans ce qu'il faisait. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, avant même que ses enfants naissent, lorsqu'ils étaient dans les seins de leur maman, avant qu'ils ne fassent du bien et du mal, avant les bébés qui ne savent pas faire du bien et du mal, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü avant qu'ils ne fassent faire du bien et du mal. Ainsi, l'élection n'est pas basée sur les œuvres que quelqu'un aurait fait. C'est pourquoi Jacob, Ésaü prend son fusil de chasse. Il va comme s'il voulait voler, contredire le plan et les désirs de Dieu. Mais cela ne pouvait jamais marcher. Dieu inspire une femme. Dieu inspire leur maman. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on dirait? On dirait qu'il a volé. Vous êtes en train de me suivre? Sur le plan humain, lorsqu'on dit, on dit Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Mais frère, vous savez que les voleurs ne rentreront pas dans le ciel. Mais Dieu, comment peut-il aimer un voleur? Dieu ne voit pas que Jacob a volé. Dieu a dit, Jacob s'est emparé de la bénédiction de son frère. Le jugement que vous faites par rapport à une personne n'est pas nécessairement le jugement que Dieu fait par rapport à cette personne. Tu peux te pouvonner à dire de quelqu'un quelque chose. Mais si Dieu pense qu'il est bon, Dieu a dit, j'aime David. C'est quelqu'un selon mon cœur. Mais Dieu dit, je l'aime. Amen. Vous voyez, ce qui importe le plus, c'est ce que Branham nous dit, de regarder toujours à celui qui se trouve sur le balcon. Regardez toujours celui qui se trouve sur le balcon. Ce maestro qui a bien joué devant la foule et que les gens étaient très contents, ils disaient, oh, mais gloire, mais ça c'est terrible. Mais lui regardait simplement celui qui lui a appris. Il regardait là. Tant que le maestro n'avait pas bougé la tête, tous vos applaudissements ne comptaient pas pour lui. Alors, ce qui nous importe comme chrétiens, c'est pas simplement ce que les gens disent. C'est pas simplement que quelqu'un vienne chaque matin vous dire que non, toi tu es un bon frère. Ou quelqu'un vient te dire non, toi tu es un mauvais frère. Ou toi tu es une mauvaise soeur. C'est une relation personnelle. C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose de particulier. Vous êtes en train de voir. Le juge lui-même était dans la salle. Il était venu au temple en train de regarder. Parce que Frère Branham nous dit, il dit, là, le seul, le ciel était sur la terre. Parce que Jésus-Christ était la plénitude de la divinité. Dieu manifestait dans la chair. Mais celui pour qui ils allaient prier était rentré dans le temple lui-même. Et il s'est mis au temple en train de regarder les gens qui adoraient, qui priaient. Et il savait, il a dit à ses disciples, il y avait un pharisien qui priait. Et sincèrement, un pharisien, selon la loi des pharisiens, les pharisiens, c'était des gens exigeants. Ils ne pouvaient pas s'asseoir avec des publicains. Ils avaient une certaine manière de vivre qui faisait d'eux, d'une manière apparente, qu'ils étaient meilleurs que tous les gens de la société. Et il y avait une pauvre femme qui s'est frappée simplement la poitrine. Oh Seigneur, je suis indigne. Oh Seigneur, je suis indigne. Et l'autre là qui priait, il disait, Seigneur, tu sais, moi je n'ai jamais fait ces choses-là. Seigneur, tu sais, moi je suis comme ça. Et lui, le juge. Parce que quand on priait, les prières venaient à lui. Il a regardé, il a posé à ses disciples, il dit, entre les deux, lequel? Mais le pharisien, lui là, il dit, c'est cette femme ici qui est en train de prier, qui se frappe la poitrine.
Et Dieu prend plaisir à la miséricorde. Amen. Dieu aime ceux qui se repentent. Amen. Dieu aime ceux qui ont des cœurs contrits. Amen. Qui ne peuvent rien, Amen. Qui peuvent s'humilier devant lui. Amen. Qui peuvent venir dire à Dieu, Seigneur, tu connais, je n'en peux plus. Amen. Et là, il peut vous relever. Yes. Il peut vous faire marcher. Amen. Mais il y a un problème dans ce message que nous avons reçu. La vie chrétienne n'est pas basée sur l'arrogance. La vie chrétienne, c'est basée comme un agneau. Vous êtes en train de faire une expérience avec le Seigneur, parfois sans qu'une autre personne le sache. Parfois, il y a un voleur dans cette salle ici. Il a essayé des années, toujours, mais il y a quelque chose qui l'est dit. Vous ne savez pas, quelqu'un le regardera, dit celui-là, mais vous ne savez pas ce qui se passe, quel genre d'expérience se passe dans son cœur. Il est en train de demander au Seigneur, ces choses viendra un jour où le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui l'a créé, c'est pas vous qui l'avez créé, ce Dieu-là saura les prières de cette personne. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, quand on parle de l'élection, en fait, ce n'est pas juste une petite chose comme ça. Dieu vous choisit, il est amoureux de vous, il vous aime. Et la raison pour laquelle Dieu vous aime, vous ne la connaissez pas. Vous-même, vous posez des questions, mais pourquoi Dieu, si grand, peut-il aimer un homme comme moi? Moi, je me connais, je sais ce que je suis réellement. Peut-être que je peux avoir une apparence, faire la sainteté devant les gens, mais ce que je suis, la parole de Dieu dit, il y a deux personnes qui connaissent ce qui se trouve dans l'homme. Il y a vous-même et il y a Dieu. Moi, je ne peux pas vous connaître autant que vous me connaissez. Vous ne connaissez pas ce que je suis. Et merci Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu nous a envoyé un prophète. William Branham dit encore, il dit, de toute façon, nous ne nous connaissons pas. De toute façon, vous ne m'avez jamais vu. Moi aussi, je ne vous ai jamais vu. Bon, frère Branham, nous ne sommes jamais vus. Non, nous ne sommes jamais vus. Il dit, notre moi intérieur, c'est que ça, c'est une parure extérieure. Mais votre vous, votre âme, c'est ce qui est immatériel. C'est ce que nous ne voyons pas. C'est cette personne-là dont Dieu est en train de traiter avec. Amen. Dites amen à cela. Amen. Et Dieu veut toucher cette personne-là. Parce que cette personne a un lien, amen, a une familiarité avec le Seigneur. Amen. 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 Maintenant, je retourne quand même à ma prédication. Je pensais, par la grâce de Dieu, pardonne-moi bien, mais je préférais ne pas être là, le pasteur n'est pas là. Je préférais peut-être qu'on parle des choses qui sont très élémentaires, mais vous vouliez qu'on puisse avancer un peu pour que vous puissiez être placés, pour que vous sachiez où nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, en ce temps ici. Amen. Maintenant, avant même que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être un chrétien. Depuis le jardin d'Eden, depuis avant la fondation du monde. Oh, dites-vous, et c'est juste frère, c'est la vérité, avant que vous sachiez. Amen. L'élection donc est du ressort et de la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. Même si vous essayez de faire du bien, si vous ne partirez pas au ciel, vous n'y arriverez, vous ne partirez pas. Amen. Il y a très longtemps, j'étais scandalisé par ceci. Je me disais, mais comment cela est-il possible, le Seigneur? J'essaie de faire quelque chose et je lis dans le message que même si vous forcez, effectivement c'est cela, même si vous vous forcez à aller au ciel, ce n'est pas vous qui partirez par votre propre volonté au ciel, c'est Dieu qui a le dernier mot et qui décide de votre choix. Amen. Et Frère Branham nous explique cela, ce choix s'opère par rapport à quoi? Notre position lorsque la parole de Dieu est prêchée. Lorsque la parole de Dieu est donnée, quelle est notre position? Amen. Lorsque vous recevez la parole de Dieu qui est Christ, amen. Qu'importe même si cela nous fait mal. Exact. Qu'importe même si cela nous condamne. Amen. Mais si vous êtes dans la position de pouvoir la recevoir et d'ouvrir grandement pour dire, Seigneur, tu es Dieu, Amen, c'est toi qui connais les chemins, Amen, ramène-moi là où tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. J'ai toujours dit ceci à l'église. Je vois les sœurs qui sont venues avec leurs enfants. Je remercie beaucoup le Seigneur pour cela. Je vais donner juste un petit exemple pour que vous compreniez là où la décision de Dieu, comment cela est très importante. Généralement, quand il y a des gens qui viennent à l'église, permettez-moi, ils arrivent et ils s'assoient, ils ne savent pas ce qui s'est passé à la maison pour qu'on amène les enfants, n'est-ce pas?
ceux qui ont des plus petits, comment les mamans doivent les laver le matin, prendre soin de ses enfants. Et vous regardez comment vous êtes stressé, n'est-ce pas? Amen. Vous regardez la montre pour dire, mais l'église va commencer dans 20 minutes, vous êtes toujours là, papa est en train de s'alarmer. Pourquoi? Parce que papa a dans sa tête une pensée. Et la pensée de papa, c'est de ramener sa famille à l'église. Amen. Et il donne des instructions à maman pour dire, maintenant il faut préparer les enfants. Et nous trouvons, parfois il y a Jacques, ou bien je ne sais pas quel nom, qui est assis là-bas. Il a son iPhone ou je ne sais pas quoi, qui est en train de jouer. Vous pensez qu'il a la volonté d'aller à l'église? Non. Il ne veut pas aller à l'église. Mais vous remarquerez qu'ici, il ne s'agit pas de la volonté de Jacques. Il s'agit de la volonté de papa. Comme il est né un enfant dans cette maison, et que cette maison s'identifie comme une maison chrétienne, et que les parents sont décidés à aller à l'église, papa partira calmement pour lui dire, Jacques, est-ce qu'on va partir à l'église? On part à l'église? Il dit, oh, moi je ne veux pas me lever, je veux jouer. Il dit, mais on va partir à l'église. Il lui dit calmement, n'est-ce pas? On ira à l'église. Et l'enfant dit, on ne part pas. Papa revient. Quand il reste 20 minutes, il dit, mais toi, tu ne t'es pas encore lavé? Tu ne t'es pas encore préparé? Non! On dit, chérie, je t'ai dit, il faut préparer cet enfant. On prépare. On lui donne les habits. Est-ce que l'enfant va aimer qu'il mette ses habits? Il prendra son temps. Essayant de faire en sorte que sa volonté puisse s'accomplir. Parce qu'il n'a pas le désir d'aller à l'église. Il semble que c'est embêtant. Mais qu'est-ce que papa fait en définitive? Quand il reste moins de 5 minutes, il sait que le culte va commencer. On lui dira qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. On appellera l'enfant à la joie chemise. Il ne veut pas, vous allez entendre le petit crier. Oh, on est en train. Parfois, c'est avec des gifles. Parfois, en le giflant, en lui mettant la chemise, lui ne veut pas, le papa le prend. On le tire la main. Et il vient à la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte de la voiture, on lui met la ceinture, on dit on part à l'église. Qu'est-ce qui s'accomplit? Ce n'est pas la volonté des gens, c'est la volonté des papas. Parce que papa est décidé à amener ses enfants à l'église. Et Dieu est décidé à sauver son peuple. Et lorsque Dieu prend une décision pour sauver son peuple, rassurez-vous-en. Il y a certains qui rentreront au ciel en pleurant. Il y a certains qui rentreront au ciel sur les mains des hôpitaux. Rentreront au ciel en criant alléluia. Parce que si Dieu a décidé de te sauver, il accomplira sa décision sur toi. Donc, c'est pourquoi l'église doit être positionnée sur certaines choses. Madame, lorsqu'il se présente pour présenter les prix diocésiens, il dit, vous savez, bien-aimé, je voudrais enlever cette crainte. Vous savez, le diable met une crainte terrible. Et avant que je ne vienne ici, on avait commencé à l'église avec un thème. C'était la peur doit changer de camp. Et j'ai commencé à montrer, par la grâce de Dieu à l'église, que c'est nous qui devrions faire peur au diable. Parce que c'était devenu comme tous les gens qui suivent sur les verbes, et tout ça, c'est comme si. Et l'église, frères et sœurs, ce qui est en nous est plus fort que ce qui se trouve dans ce monde ici. Lorsque notre Seigneur marchait, vous êtes en train de me suivre, hein? Ce n'était pas Jésus qui criait. C'était les sorciers, les démons qui criaient auprès du Seigneur. Fils de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire tout près de nous? Ton temps n'est pas encore accompli. Mais si nous avons ce même esprit en nous, nous n'allons nous pas faire de jeûne de 50, je ne sais quoi. C'est l'appel et la position que vous avez par rapport à ce message ici. Oh. Si Dieu vous a appelé, amen. J'ai des enfants. Si ce sont mes enfants, il m'appartient à ma responsabilité de pouvoir les protéger. Amen. Si Dieu vous a appelé, Dieu n'est pas le genre de personne, un Dieu irresponsable, qui prend ses enfants, il les laisse, il dit, bon, débrouillez-vous, prenez soin de vous-même. Non, il n'a jamais dit cela. Amen. Il a dit, le Saint-Esprit, je vous l'enverrai. Amen. Il sera avec vous tous les temps jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui prend soin de l'Église, Amen. Qui conduit l'Église, qui protège l'Église, Amen. Qui agit dans l'Église, Amen. Qui agit en toi. C'est ça la position que l'Église doit réellement avoir. Amen. Amen. Ainsi, la peur doit changer de camp. Amen. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu,
Ici, on ne s'assoit pas. Pourquoi? Oh non, ce frère-là, oh, il est magicien. Comment? Il est magicien, mais moi, je m'assoirai tout près de lui. Amen. Parce que qu'il fasse sa magie devant moi. Amen. Quand vous êtes un vrai chrétien, c'est vous qui faites peur aux autres personnes. Si vous l'êtes réellement, vous ferez peur au monde. Amen. Un vrai chrétien, comme a dit le pasteur dans ta prédication, un vrai chrétien, lorsque vous vous asseyez quelque part, si vous êtes un vrai chrétien, les gens cessent de parler des bêtises. Ils peuvent se raconter des bêtises, mais quand tu vous as dit, pourquoi? Rien que des bêtises se taisent. Parce que vous pensez, si les bêtises se taisent et les esprits ne se taisent pas, les esprits se taisent lorsqu'ils sentent le parfum, lorsqu'ils sentent le Saint-Esprit. Dans le vrai chrétien. Et pour en revenir à cela, je dis, notre position, c'est la position du Saint-Esprit. Amen. Bon, pourquoi j'ai tiré ces exemples? Je vais aller très rapidement. J'ai tiré ces exemples pour vous dire ceci. Abraham est le type du commencement de la vie chrétienne. Amen. Dieu choisit Abraham. Il lui dit, sors de ton pays, de ta patrie. Amen. Et vas-y vers le pays que je te montrerai. Et Abraham sort de Chinéa, là où il était. Frère Abraham nous dit dans ses citations que c'était un pays, c'était tout était, donc il y avait tout. C'est pas qu'Abraham était bon. Il sort. Ça va quelque part. Dieu ne dit pas à Abraham où il va l'amener. Il dit vers le pays que je te montrerai. Et Abraham sort. Il marche avec le Seigneur. Amen. J'aime beaucoup cela, c'est pourquoi je préfère dire. Amen. Je préfère dire cela. Alléluia, je vais aller. Écoutez ce que vous en avez ici. Voilà. Il dit au paragraphe 61, je commence au paragraphe 60. Paul, maintenant, Paul dit, il nous a choisi en lui, l'Église, avant la fondation du monde. Maintenant, regardez, pour que nous soyons saints. Pas notre propre sainteté. Bien dites-vous, croyez-vous dans la sainteté, frère Branham? Bien sûr. Pas la mienne. La sienne. Ma sainteté n'est rien, la sienne est parfaite. Amen. Quelqu'un me dit, bien, je sais que je suis sauvé parce que j'ai arrêté de fumer. Frère Branham dit, ce n'est pas pour cela que j'ai été sauvé. Non. Ce n'est pas pour cela que vous avez été sauvé. Vous êtes sauvé parce que Dieu vous a choisi. Amen. Avant la fondation du monde pour être sauvé. Amen. C'est l'enseignement de l'écriture. Amen. Amen. Maintenant, voyez-vous, nous commençons à découvrir que ce n'est pas nous, c'est lui. Voyez-vous, il nous a choisis. Abraham ne pouvait pas dire, ben Dieu soit béni, je suis descendu de la tour de Babylone, alléluia. Voilà pourquoi je suis sauvé. Il aurait dû sauver tout le groupe alors. Donc il n'était pas simplement Abraham, il aurait sauvé tout le monde. Si c'était là la raison pour laquelle il accorda son salut. Mais il n'a pas fait ainsi. Il a élu Abraham. Et cela était le commencement même de notre salut qui a été donné à l'homme lorsqu'il l'a appelé, élu et prédestiné, et lui a donné une promesse et fait une alliance avec Abraham et sa descendance pour toujours. Amen. Donc Dieu sauve et il lui donne aussi une alliance. Amen. Amen. Parce que Dieu ne vous sauve pas. Il veut aussi que vous puissiez avoir une garantie que vous êtes sauvés. Amen. 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 C'est pourquoi le Saint-Esprit, ne le négligez pas. Il est les arts de votre salut. Amen. Vous pouvez les présenter partout, au bureau, à n'importe quelle place. Quand les difficultés viennent, vous dites au Seigneur, amen, que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Ma situation tourne mal et ça, c'est les arts de votre salut. Amen. Il dit ici, maintenant, nous pourrions continuer à lire un chapitre entier sur cela. Nous n'avons pas le temps. Maintenant, Dieu a appelé, regardez, lorsqu'il appela Abraham ici, il l'appela par l'élection. Amen. Parce qu'il c'était Abraham, parce que c'était Dieu. Et il appela hors de son peuple et le bénit. Il lui dit, je vais te sauver. Et plus bas ici, il dit, et tu viendras à moi à un âge mûr et avancé.
avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit pour le mériter. Dieu l'a choisi et il lui parla. Et pas simplement toi, mais ta postérité après toi. Alléluia. Regardez comment cela est important. Abraham est choisi, pas seulement Abraham, mais sa postérité après lui est bénie aussi. Amen. Donc ce n'est pas une mince affaire. On t'a choisi et ta postérité. Donc tous ceux qui sont en toi sont bénis en toi en même temps. Amen. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Sarai, sa femme, son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Maintenant, remarquez, regardez. Il a justement fait ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Abraham prit Lot, son neveu, et il prit aussi son papa. Mais il ne lui avait jamais dit de prendre son papa. Mais il le fit de toute façon. Et n'importe quel lecteur de la Bible, vous pourrez lire ceci dans Genèse demain, quand vous en aurez le temps. Remarquez, cela a été une ombre au tableau lorsque le vieil homme meurt. Il était une pierre d'achoppement tout le long du chemin. Et avec Lot, c'était pareil. Dieu appela Abraham et pas Lot. Il appela Abraham et pas son papa. Amen. Ceci est très important. C'est-à-dire, même quand nous venons à l'église, les gens ont tendance que tous écoutent la parole de la même manière. Les gens ont tendance que tous doivent sauter de la même manière. Les gens ont tendance à dire que non, cette église ici, les gens, ils sont comme ça. Moi, je n'aime pas écouter ces choses. Même si toute l'église pouvait être froide. Mais toi, peut-être tu es la seule personne qui a été élue dans cette église pour être sauvée. Donc tu ne peux pas regarder les autres parce que les gens sont froids. Et toi aussi tu dis ici l'église c'est froid. Mais tu peux chauffer l'église. Parce que l'appel est individuel. Dieu ne fait pas un groupe, il ne sort pas, je ne sais pas, une trompette ici à Bruxelles. Il dit allez sortez, vous venez ici. Non, non, Dieu t'appelle toi. Et personnellement pour que tu viennes. Peut-être il n'a jamais appelé ton cousin. Il n'a jamais appelé ton grand frère. Il t'appelait toi à venir à lui. Et ce corps, ce temple simplement, cette chair, cette paroi qui nous lie les uns les autres charnellement, n'est pas cela nécessairement qui fait de nous des véritables enfants de Dieu. Parce que le véritable corps, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et ce corps mystique, ce n'est pas Agapa au tabernacle, ce n'est pas Pierre de fait tabernacle, ce n'est pas, je ne sais pas quel autre tabernacle que je peux citer, j'ai cité le nom de notre église, mais c'est le corps mystique. Amen. C'est ce corps mystérieux dans lequel vous devez entrer. Yes. Donc, le pasteur, Salem, fait de son mieux pour que vous sortiez de ce tabernacle. Amen. Et que vous rentriez dans un tabernacle plus spirituel. Amen. Qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'à Agapa au tabernacle, tout le monde ne partira pas au ciel. Amen. Parce qu'à Edson Tabernacle au ciel, tout le monde n'ira pas au ciel. Mais ceux qui rentrent dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui partiront au ciel et pour l'enlèvement. Et vous devez être sûr que pour rentrer dans ce corps mystique, c'est Dieu qui vous fait rentrer là-bas dans ce corps mystique par la nouvelle naissance. Amen. Amen, Église. Et cela arrête toute chose. Ça arrête toute confusion. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas celui-ci prie pas, cette sœur ici parle beaucoup, et toi, tu as été appelé pour regarder cette sœur ici. Dieu ne t'a pas appelé pour regarder à une sœur, Dieu t'a appelé pour que tu regardes à lui, pour que tu avances avec lui et que tes yeux soient constamment vers le Seigneur. C'est ça l'appel et nous devons vous rappeler cela. Amen. Regardez, paragraphe 73, une séparation. Aller dans un pays étranger dont on ne sait rien, c'est le christianisme. Aller, Frère Branham appelle le christianisme, aller dans un pays où on ne sait rien. Ça veut dire marcher avec le Seigneur, Frère André. Je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Je n'ai pas un grand plan, un grand projet. Aujourd'hui, vous pouvez être ici, mais demain, Dieu peut faire de vous autre chose. Vous n'avez pas votre propre volonté, comme on dit, non, c'est si. Mais je vais me casser la tête. Si Dieu m'appelle autre part et vous voulez résister à Dieu, personne ne peut de sa propre volonté décider ce qui va lui arriver dans 5 minutes. Vous n'avez même pas la capacité de prendre une décision de ce qui vous arrivera dans 5 minutes. Et comment voudriez-vous penser avoir la capacité de votre éternité? Ce qui vous arrivera dans 5 minutes, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas si votre voiture, elle est volée là-bas. Vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui a mis une rayure dedans.
Vous savez pas ce qui est arrivé à quelques minutes là-bas. Et comment ça, vous pouvez avoir une certitude que, avec votre propre capacité, vous allez partir au ciel. Non, nous sommes complètement dépendants de lui. Alors, complètement dépendants. Il ne s'agit pas de moi et Dieu, il s'agit de Dieu seul. C'est de lui que dépend, c'est de lui que dépend. Mon avenir dépend totalement de lui. Amen. Aller dans un pays étranger pour habiter parmi les gens au sujet desquels vous ne savez rien pour être un pèlerin. Amen. Lorsque je pense à cela, je peux à peine garder mes pieds sur terre. Pèlerin, étranger. Le vieil Jacob mourant, s'étenant devant Pharaon, il dit, j'ai été pendant tant d'années dans mon pèlerinage. Amen. Qui était-il? Il commençait à devenir lui-même. Écoutez, pour retourner dans notre pensée, Dieu choisit cet homme. Et Dieu l'appelle. Il lui dit, sors de ton pays. Et il sort, ils arrivent quelque part en chemin. Là où ils arrivent, Dieu dit, c'est ici que je te bénirai. Amen. Amen. Dieu ne l'a pas laissé aller gauche à droite. Il lui dit, c'est ici que je te bénirai. Et ayant quitté cette place-là, Abraham fait un hôtel. Il l'appelle Bethel. Vous dites amen à ça? Amen. C'était la première fois depuis que Abraham, Dieu l'a dit de sortir, et il arrive dans une place qu'il appelle Bethel. C'est là que Dieu parle à Abraham. Il le bénit. Et c'était son territoire. C'était la portion que Dieu lui a dit, je te bénirai ici. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive avec le patriarche? Je voudrais y arriver rapidement. Le patriarche, on nous dit, il survint la famine. Vous êtes en train de me suivre. Il survint quoi? La famine. La famine. Ça veut dire les gens ont faim. Des problèmes viennent. Et le patriarche se dit, non, que je quitte ici, que j'aille où ça? Que j'aille en Égypte. Et lorsque le patriarche s'en va en Égypte, il a des problèmes. Pharaon veut lui prendre sa femme. Et n'eût été l'intervention de Dieu. Juste pour que la promesse soit accomplie. Pharaon aurait pris Sarah. Donc Dieu est intervenu encore. Parce qu'il savait que sa promesse devait s'accomplir. C'est pourquoi il veillait. Dieu veille toujours sur ses propres déclarations. Comment pouvait-il les bénir autrement que par Sarah, qui lui avait donné cette promesse. Et Dieu intervint pour protéger, afin que sa parole soit accomplie. Mais Dieu lui avait dit de rester où ça? De rester dans ce territoire. Je te donnerai ce pays, le pays des Essiens, le pays des Phéréziens, des Jébusiens. Il lui donne tout un territoire, d'ici jusque-là. Il dit, des extrémités d'ici jusqu'à ces extrémités-là, je chasserai ces nations, et ça sera ta possession. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Il lui donne cette partie du territoire comme sa possession à lui. Amen. Amen. Lui et sa descendance. Regardez comment cela est merveilleux. Abraham, de l'Égypte, il retourne là-bas. Dieu lui dit, sache que ta descendance sera esclave. Il ne lui dit pas dans quel pays ils partiront. Il dit pendant 400 ans. Mais c'est moi qui les ferai sortir. Vous voyez comment toujours, toute chose dépend de qui? De Dieu. Ta descendance sera esclave, mais c'est moi qui ferai sortir ta descendance. Toute chose ne dépend que de lui. Durant ces 400 ans, je peux m'imaginer le vieux hébreu en train de travailler en Égypte. Lui qui ne savait peut-être pas ce qui s'était passé dans la promesse antérieure, mais il s'est retrouvé là-bas. Vous savez comment ils sont allés? Ils ne sont pas allés esclaves. Ils s'en sont pas allés esclaves. Ils s'en sont allés dans la joie. Ils s'en sont allés dans l'exaltation. Et le diable a de bonnes manières de vous avoir. Il a de bonnes manières de nous avoir. Et ils sont allés, c'est Joseph qui a amené le peuple là-bas. Et ils disent, non, allons là-bas, nous serons bénis. Mais remarquez le vieux patriarche. Alléluia. Le vieux patriarche dit à Joseph. Il dit, Joseph, je sais que je vais mourir. Mais quand je mourrai, alléluia, ne laisse pas mon corps ici. Alléluia. Dieu vous visitera. Amen. Quand vous allez sortir, ramène mon corps dans le pays de la promesse. Et quel était le pays de la promesse? C'est pourquoi nous avons besoin d'un enseignant, d'un prophète. Amen. Comme William Mahomana. Frère, on a maintenant
il vient, il explique. Il dit ceci. Il dit, vous savez, le patriarche lui-même, il dit, l'ancien livre, le vieux livre, c'est le livre de Job. Il dit, le livre de Job est antérieur à celui de Genèse, écrite par Moïse. Parce que Moïse, Job a vécu avant ce temps-là. Et Job, lorsqu'il parlait avec le Seigneur et qu'il traitait avec le Seigneur, Job était un prophète. Et il avait proclamé que de ses yeux, il verrait son Rédempteur. Et il approchait, la première personne qui prêche de la résurrection, c'est Job. Et maintenant, Frère Bonhomme nous dit que le patriarche savait que Job a dit, enterrez-moi ici. Là où je serai enterré, c'est à Makpéla. Et Job savait pourquoi il avait prononcé cela, parce qu'il disait, mon Rédempteur est vivant. Lorsqu'il y aura la résurrection, je sortirai d'ici. Et Abraham savait que pour avoir la résurrection, il fallait être enterré sur le lopin des terrains où Job était enterré. Être dans la même portion de bénédiction que Job. Si Dieu vient visiter Job, alors il visitera Abraham. Il visitera Jacob. C'est pourquoi ils ont dit à leurs enfants, quoi que l'Égypte soit bien, nous puissions manger, je ne sais pas quoi que ce soit, mais enterrez-moi là-bas. Parce que le grand événement, le pays où se trouve la bénédiction, ce n'est pas ici en Égypte. C'est toujours dans le pays de la promesse. Et Abraham a enterré Sarah, tout près de sa, la tombe des gens. Lui-même est mort, il a été enterré là-bas. Jacob meurt là-bas, il dit, moi, gardez les eaux. Quand vous sortirez d'ici, allez m'enterrer. Joseph lui-même qui était là-bas dit, moi quand vous sortirez d'ici, prenez mon corps, enterrez tout près de moi, j'ai rien de parler. Parce qu'il y avait un secret derrière cela. Le secret, c'est le secret de la rédemption de la réflexion. Et ce secret était détenu. C'était vraiment détenu par Job. Et Abraham étant prophète savait que moi je reste tout près de Job. Quand on visite Job, moi je sors. Jacob dit, oh, toi, le Père, tu es là. Nous, on va être enterrés en Égypte. Non, non, enterrez-moi là-bas. Alors, tout le monde savait que le pays promis. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand un juif est en dehors d'Israël, son territoire, il n'est pas dans la bénédiction. Il dit, ce sont des juifs ici qui voient des Wall Street, qui font ces choses. Un véritable, il sera dans le pays de la promesse. Parce que Dieu leur a fait une promesse et il leur a donné un terrain. Et ceci est temporaire. Vous dites amen. Amen. C'est temporaire, c'est pour un temps, c'est physique. Yes. Ils sont des juifs physiques. Amen. Mais nous aussi, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas pourquoi Frère Branham dit que l'épître aux Hébreux est comparable, le livre de Josué est comparable aux Éphésiens. Voilà. Pourquoi? C'est à cause de cela. Parce que ça parle de placement. Je vais vous expliquer. En Égypte, quand ils s'en sont allés, on leur a donné un territoire. Et c'était Goshen. On a dit, ici, à Goshen, vous vivrez. Vous serez bien ici. Et ils cultivaient, ils vivaient, ils étaient très bien. Ils avaient vraiment l'excellence de tous les pays à cause de Joseph. Mais la Bible dit, la parole dit, fut venu un temps où il fut venu un pharaon qui ne connaissait même pas l'histoire de Joseph. Que vous prospériez dans le monde, si vous êtes un fils de Dieu, viendra un jour où votre prospérité tombera. On va te rappeler que tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas de notre côté. Ils ont prospéré à des jours. D'un jour au lendemain, ils sont devenus esclaves. Oh. Mais nous étions libres ici. Quelqu'un venait dire, non, nous avons besoin de faire des briques et nous avons besoin de main d'œuvre. Quelle main d'œuvre? Il dit, mais il y a ces gens-là, ils ont prospéré. On commençait maintenant, un peuple qui était libre devient du jour au lendemain un peuple esclave. Cependant, ils étaient là. Goshen était devenu le quartier le plus sale maintenant. Frère Branham dit, c'était devenu comme un lieu. Allez, les Juifs là-bas, mettez-vous de l'autre côté. Il dit, ça ne ressemblait plus à ce que c'était au temps de Joseph. Pourquoi? Mais parce qu'un pharaon avec un cœur méchant était venu. Vous voyez, positionnellement, ils n'étaient pas dans leur patrie. Positionnellement, ils se trouvaient en dehors du pays que Dieu leur avait donné la promesse. Dieu ne leur a jamais dit d'aller en Égypte. Ce sont les conditions, la famille qui les a amenés en Égypte. Mais Dieu ne leur a jamais dit d'aller en Égypte. Donc ils sont en dehors de leur positionnement.
Amen. Et étant dehors de leur positionnement, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais remarquez, la grâce de Dieu. Ils avaient déjà prévenu que je descendrai moi-même. Amen. Et je viendrai vous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est descendu, là je parle, pour faire ce qu'on appelle exode. Amen, mes bien-aimés. Amen. L'exode, ce n'est pas comme vous et moi, nous qui étions ici. Nous voulons sortir d'ici pour aller en Hollande. On dit, je fais un exode en Hollande. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'exode? Non. Quand quelqu'un qui est ici va à Paris, il dit, non, je fais l'exode à Paris. L'exode consiste à une sortie de masse. Amen. Ça veut dire, l'exode consiste à déplacer des gens, des foules, des peuples. Alors, il faut avoir ce qu'on peut parler, il faut avoir la logistique pour déplacer des gens. Tu ne peux pas sortir des gens ici. Moi, je ne peux pas prendre soin de vous. Vous devez être suffisamment riche pour prendre soin de toute cette église ici. Parce que quand vous sortez avec des peuples pour les amener dans les déserts, vous devez être assez pour pouvoir leur donner à manger, pour pouvoir les nourrir dans les déserts et prendre soin de ces peuples-là. Donc il faut que ce soit Dieu lui-même qui soit descendu. Amen. Et dans le cas précis, Dieu est descendu. Alléluia. Amen. Et Dieu est descendu par un ange. Alléluia. Amen. Dieu est descendu par un ange. Dieu dit à Moïse, mon ange marchera. Mm-hmm. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Devant toi. Amen. Et ça, cela suffit? Yes. L'ange marchera. Amen. Qu'est-ce que nous avons reçu dans notre génération? Amen. Qu'est-ce que nous avons reçu dans notre génération? Et nous sommes contents. Nous avons reçu un message. Nous avons reçu un prophète. Amen. Amen. Mais cela ne suffit pas. L'église doit avoir la révélation. Amen. Pourquoi nous avons reçu cet ange? Qu'est-ce que cet ange est censé faire pour nous? Parce que Israël avait reçu la révélation, là où je vous ai lu, je préfère le lire encore une fois. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Chez les Amoréens, chez les Éthiens, les Phéréziens, les Canadéens, les Essiens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Il dit encore, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous voyez, l'ange a la responsabilité de nous protéger. Amen. Et de nous faire arriver dans les lieux que Dieu nous a préparés. Ça, ça ne consistait pas que Israël devait chercher ces lieux. C'est la responsabilité de l'ange. L'ange devait protéger Israël. Amen. Amen. Et faire arriver Israël dans le pays qu'il avait produit à préparer. Yes, sir. Comment ça se fait-il que les gens vont se débrouiller pour aller en chemin? Vous savez ce que ça représentait? Écoutez mes bien-aimés. Israël sort. Pharaon dit, non, ne sortez pas, ne sortez pas. Allez prier juste quelques temps, vous allez retourner. Ils ont dit, nous sortirons. Yes, yes. Yes. Pharaon ne voulait pas les faire sortir. C'était une épreuve de force. Yes. Dieu est entré dans Moïse. Amen. Dieu fit de Moïse Dieu. Yes. Parce que l'épreuve était tellement forte. Il ne s'agissait pas de petits jets comme ça. Ces peuples représentaient une économie pour les Égyptiens. Amen. Ils représentaient l'esclavagisme pour les Égyptiens. Yes. Qui va nous laver les habits? Qui va faire ceci? Qui va faire ce travail? Mais Dieu était décidé à faire sortir un peuple. Frères et sœurs, je reviendrai sur notre exode à nous. Il y a des péchés, il y a des maladies, il y a toutes ces choses ici. Il y a bien des choses. Vous pensez que l'ange de l'Éternel est venu pour assister? Il est venu pour nous faire sortir de toutes ces choses ici. Parce qu'il faut simplement la puissance de Dieu pour libérer les gens de ces problèmes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit... Moïse dit, je ne sais pas bien parler. Dieu dit, arrête. Je sais que tu ne tu sais pas bien parler. Ton frère parlera pour toi. Je fais de toi Dieu. Amen. Je dis bien, je fais de toi Dieu pour tes frères. Amen. Moïse n'est pas les grands Elohim. Moïse n'est pas celui qui remplit l'espace et le temps. Mais momentanément, afin de faire ce travail, pour
son autorité. Parce que Dieu ne peut agir qu'à travers des gens. Amen. Il dit, moi maintenant, je serai lié. Remarquez, je ne vais pas rentrer en détail, le pasteur n'est pas là. Il dit ceci. Oui, je sais que c'est mon ami. Et c'est mon frère, il voit la chose exactement comme moi. C'est pourquoi je me permets de dire cela. Donc, Dieu fait de Moïse Dieu. Un Dieu temporaire, momentané, mais avec toute la puissance de Dieu. Il dit, tu seras Dieu pour tes frères. Lorsque tu te présenteras, je serai avec ta bouche. Regardez, c'est le troisième poule pour Moïse. Il lui dit, je te donne deux signes. Le premier signe, c'est la guérison. Le deuxième signe, c'est ceci. Tu vas mettre ta main, il a jeté un serpent et tout ça. Il lui explique cela. Mais le troisième, Moïse dit, il dit, bon, maintenant, je serai avec ta bouche. Être avec la bouche de quelqu'un, c'est quoi? Être avec la bouche de quelqu'un, c'est que tu dis la chose. Et cela s'accomplit et ça. Était devenu la bouche de Dieu. Parce que l'exode ne consistait pas à faire sortir un, deux, trois familles, quatre personnes. Ça consistait à faire sortir tout un peuple. Et il lui donne l'autorité et le pouvoir. Oh, il n'y a pas d'eau dans le désert. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Vraiment. Il avait toute la puissance de Dieu. Il dit la chose et cela s'accomplit. Et il prend un bâton, il frappe Dieu, je ne t'ai pas dit cela. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait le surnaturel qui agit dans l'exode. Et lorsque le surnaturel agit dans l'exode, c'est pour que le peuple, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Remarquez, les Égyptiens se disent, oh, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons perdu nos enfants, nous avons tout perdu, maintenant allons récupérer. Et Dieu s'est mis là-bas simplement à regarder. D'abord, ils ont dit que notre Dieu était un faux général. Parce qu'il y avait un chemin, comme dit le prophète, qui pouvait les amener à marcher simplement comme ça et entrer dans le pays. Mais la direction que l'ange de l'Éternel prend, le Saint-Esprit, au lieu d'aller dans le pays à terre ferme, il les amène tout près de la mer. Les gens peuvent dire, ils disent, voilà, leur Dieu est un mauvais général. C'est un mauvais capitaine, il ne connaît pas la technique du combat. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu savait que l'Égypte était une armée puissante. Il savait que ses enfants n'avaient pas d'armes. Il savait que si les Égyptiens, ils ne noyaient pas leur armée, viendra un jour, ils viendront toujours les embêter. La première résolution de Dieu, c'est qu'il a fait son calcul mathématique. Et qu'il a trouvé que non, ces gens, je dois les éliminer. La seule manière de les éliminer, c'est de les amener tout près de la mer. Et quand les Égyptiens sont entrés, ils sont venus, la même colonne de feu était devenue une lumière pour les enfants d'Israël, était devenue un ténèbre pour ces gens. Et Dieu a endurci leur intelligence. Ils sont entrés. Vous savez, Moïse est entré, il n'y avait pas de précipitation. Parce qu'il y avait des veillards. Prenez le temps que vous voulez. Vous allez sortir. Parce que Dieu était décidé à ce qu'il puisse sortir du pays. C'était pas pousser un vieillard pour aller. Non, ils sont sortis. Avec leur bétail. Donc, c'est l'appartenance maintenant. Je ne parle pas de cela. Ils sont sortis. S'il y a un bétail qui t'appartient, même un aïe. Obi, tout ça, l'exode. Là, même un aïe. À combien plus forte raison nos enfants? À combien plus forte raison les membres de nos familles? Dans l'exode de Dieu. Si nous pouvons sortir dans cet exode ici, où les poules. Où les animaux peuvent sortir, Dieu prend soin de ces animaux parce qu'ils sont des appartenances des Juifs. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les moutons des Juifs, ils sortaient. Ils sont sortis, ils sont rentrés dans la mer. Ils ont commencé à traverser. Ils sont sortis. Les vieillards sont sortis. Et Moïse a regardé, il a refermé la mer. Et ils se sont noyés. Mais pas comment? Est devenu mécanicien. Dieu est
devenu mécanicien. Mmh. Il a dit, je vais commencer à ralentir les marches. Mmh. Et il a, la parole de Dieu dit, il a ouvert les roues. Mmh. Les boulons des roues, de leurs gens ont commencé à quitter. Mmh. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça c'est injuste. Mmh. Leur Dieu combat contre nous. Mmh. Mais bien aimé, notre Dieu est censé combattre pour nous. Que vous devez avoir de votre Dieu. Amen. Amen. Vous combattez pour Dieu, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Et leurs boulons se sont ouverts. La mer les a engloutis. Et quand les enfants d'Israël ont vu cela, Myriam a pris les tambourins. Et le Saint-Esprit est descendu. Amen. Quoi, Branham dit? Il voyait le cadavre de ceux qui les avaient maltraités en Égypte en train de être sur la mer. Et cela leur a donné la jouissance. Ils ont regardé et dit, ça c'est celui qui me frappait. Mais voici, il est noyé dans la mer. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, c'est en cela que consiste la délivrance de Dieu. Lorsque Dieu envoie un messager, William Marion Branham, les gens on en fait des disputes, des choses que l'Église devait être dans la vraie place pour être positionnée afin de recevoir cette délivrance ici. Mais c'est nous qui traînons, nous parlons, nous disons des choses. Dieu a dit, tenez-vous tranquille. Amen. Il fallait que l'Église reste tranquille. Amen. Il fallait que vous confiez ces choses à Dieu. Amen. Il fallait que vous confiez vos maladies à Dieu. Amen. Il fallait que vous confiez vos incapacités à Dieu. Amen. Il fallait que vous confiez tout ce que moi je suis incapable, j'ai dit Seigneur, tu m'as demandé ceci. Et moi je suis incapable de pouvoir le faire. Je ne suis qu'un homme, toi tu es Dieu. Maintenant descends-toi Dieu. Pourquoi tu peux exiger de moi une grande chose que moi-même je suis incapable de faire? Alors toi mon Dieu, tu descends. Dieu aime les choses comme ça. Il ne veut pas des petits fabriqués ici, un peu de rajouts là-bas. Rajouter ici, non. Lui, il opère la délivrance totale. Amen. 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 Ils sont sortis. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire. Pour rentrer, ils sont allés dans le désert. Le désert a représenté, ils pouvaient aller tout droit. Mais Dieu a voulu qu'ils aillent dans le désert. Pourquoi ils allaient dans le désert? Pour gagner tout ce peuple. Amen. Ils sont allés chez les Pharisiens, chez les Amalécites. Partout ils sont passés, ils étaient des victorieux. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'aime cela parce que Dieu était décidé. Amen. Je t'envoie un ange. Regardez, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je prépare. Maintenant, il n'arrive pas au lieu que Dieu a préparé. C'est la faute d'Israël. Non, ça sera la faute de l'ange. Amen. Ça veut dire que l'ange n'a rien fait. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? On envoie un ange qui puisse prendre soin d'Israël. Prendre Israël et de l'amener dans le pays de la promesse. Et Israël ne rentre pas dans le pays de la promesse, la faute d'Israël. Non, c'est la faute de l'ange. Parce qu'il a été envoyé pour amener Israël dans le pays de la promesse. Et de la même manière aussi, que nous savons que l'ange de l'Éternel, pour ceux qui sont des enfants de Dieu, amen, ils ont la certitude, amen, que Frère Branham a dit, cet ange ne quittera pas ce message. Amen. Il ne laissera pas ce message. Amen. Dieu a exaucé Branham en 1947. Il a exaucé Branham en 1952. En 63, il a exaucé. En 65, avant de partir, il a exaucé. Et aujourd'hui, va le refuser? Non, monsieur. Non, il exaucera ce message. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle et il va sur des principes. Amen. Cet ange, amen, se trouve dans ces messages. Amen. Mais le peuple doit rester tranquille. Amen. Et se fier à ce Dieu qui nous a fait sortir de ces pays. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la position de l'Église? Ils avancent, ils arrivent quelque part, bien aimés. C'est pourquoi j'aime ces épîtres aux Éphésiens. Les épîtres des Éphésiens placent l'Église. Amen. Les épîtres des Éphésiens placent chacun de nous. Si Dieu a fait de toi un prédicateur, reste un poste de ta vie. Si Dieu a fait de toi quelqu'un qui fait la louange avec Kitsaka, reste là-bas. Dieu te Amen. Ça te place à ta position. Pourquoi? Vraiment. Quand Israël est sorti, ils ne sont pas sortis comme ça. Non, non, non. On a dit Éphraïm. Toi, comme toi, tu as des parents qui viennent tout près de l'Égypte ici, toi, tu resteras ici. Donc Éphraïm devait rester de l'autre côté. Et il s'en va et dit, toi Judas,
ta place c'est de l'autre côté en bas. Toi c'est à l'est. Tous ces placements, c'est Josué qui les faisait. Amen. Et Josué ne faisait pas cela comme ça, mais c'était sous inspiration. Faut madame dit, ces inspirations venaient d'où de Josué, mais c'était pas les douleurs de l'enfantement de leur maman. Amen. Les mères des patriarches de chaque tribu lorsqu'elles étaient en travail. Et les cris de maman, quand les femmes sont en travail, ces cris-là disaient, toi tu seras ici, toi tu seras comme ça. C'est ce qui a prédestiné leur position dans le placement. Le cri de leur maman lorsqu'ils naissaient. Et nous venons de soigner des chrétiens, les gens pensent que nous sommes devenus chrétiens comme ça. Non! Nous ne sommes pas comme ça. Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas musulman? Amen. C'est pas un fou de Nazareth qu'on devient chrétien. Non. Dieu vous connaissait. Amen. Il connaît votre taille. Amen. Il connaît les battements de votre cœur. Il connaît comment vous êtes sorti de cette maison. Il connaît votre lendemain. Amen. Vous pouvez placer ce lendemain entre ses mains. Il connaît chaque chose. Vous savez, lorsque la tournure a failli faire des choses comme ça, et que ces gens-là se sont rassemblés, soyez comme Josué. Josué, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dites amen. Amen. Josué s'est levé le bon matin, sans qu'Israël ne sache, parce qu'il était à la mort de Moïse. Il se lève. Il veut traverser le Jourdain. Parce que la première étape, c'était la mer. La seconde étape qu'il devait traverser, c'était le désert. Mais après le désert, il y a une autre étape, c'était le Jourdain. Et Josué est allé faire l'investigation. Il traverse de l'autre côté du Jourdain, et il arrive sur le territoire. Et quand il arrive, il voit un être qui se tient avec une épée. Et Josué dégaine son épée. Parce que Josué, c'était le commandant. Et dans la tête de Josué, il sait que c'est moi qui combat. C'est moi qui donne les instructions. Il vient, il demande à la personne, es-tu pour nous ou contre nous? La personne lui dit, fais tomber ton épée. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Dis-moi, je suis le commandant en chef de l'armée céleste. Vous êtes en train de vous imaginer que lorsque Israël combattait physiquement, il y avait un commandant en chef qui était dans les camps d'Israël, qui guidait Josué. Amen. Et Josué, il s'est prosterné parce qu'il a compris que dans leur côté, de leur côté, ils avaient pas le commandant en chef de l'armée d'Israël, mais le commandant en chef de l'armée céleste était descendu. Parce que le dernier combat, il devait partir. C'était le combat de Jéricho. Or, Jéricho était une fortification que personne ne pouvait vaincre. Il pouvait tout vaincre, mais sauf Jéricho. Alors, le commandant en chef lui-même était descendu pour la bataille de Jéricho. Pour la bataille de Jéricho, Israël n'a pas combattu. Israël a donné la louange à Dieu. C'était les sept tonnerres. Ils ont fait sept tours. Une fois chaque jour. Une fois chaque jour. Le septième jour, la septième fois, on leur demande de faire sept tours. Et quand ils ont fait ces sept tours, toutes les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Et c'était les acclamations. Lisez les histoires. Ils sont rentrés dans la mer. La mer a reculé devant eux. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et lorsque les Éthiopiens venaient prendre l'arche de l'Éternel, pour amener l'arche de l'Éternel dans leur camp, vous savez, ce combat, ils se sont réjouis. Ils ont dit, nous avons gagné Israël. On ne gagne jamais Israël. Ils étaient dans l'exaltation. Et ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils sont allés mettre ça dans la maison des Dagon. Et ça voulait dire ceci. Que toi, Dieu, tout puissant, le Dieu d'Israël, tu te proclames tout puissant. Aujourd'hui, Dagon ne t'a pas eu. Et ils ont mis ça dans le temple des Dagon. Mais c'est que Dieu savait que personne ne pouvait combattre pour lui. Dans le temple des Dagon, le lendemain, ils sont venus trouver. Vous connaissez l'histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Ça, c'est le sept sceaux. Dieu ne vous a pas révélé cela. Ça, c'est entre les lits. Mais simplement le matin, on est venu voir Dagon cassé par terre, tout près de l'arche de l'Éternel. Alors,
maintenant, ils avaient un problème à résoudre. Israël, là-bas, il pleurait. Non, on a pris. Là, c'est l'Éternel. Mais celui qui combattait là-bas, seul, c'était Dieu lui-même. Amen. Et ils se posaient, ils avaient des problèmes. Ils disaient, mais comment ferions-nous pour faire sortir cette arche ici? Mais non, les princes, hein, ils s'entendent. Ils disent, mais c'est toi qui vas faire sortir l'arche. Je te dis, non, pas moi, je ne partirai pas là, je mourrai. Alléluia. Les Philistins avaient un problème là-bas. Et Dieu commençait à les frapper. C'était horrible, peut-être vous riez. Tout un pays rempli de pharaons. Ça veut dire, la reine elle-même ne pouvait pas s'asseoir sur le siège, sur le trône. Et le roi lui-même en avait, en bas. On voyait la démarche du roi dérangée. Et les généraux avaient des démarches qui partaient comme ça. Et peut-être ils avaient des furongles partout. Oh, mais il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as? Il dit, ah, toi, tu ne sais pas. J'ai un petit problème. Quand il va se mettre, c'est lui-même, il en a. Dieu a frappé tous les pays. Et ils se sont dit, mais cette malédiction vient d'où? Ceci, ça ne peut pas ressortir de quelque chose. Ça doit être un Dieu étranger qui se trouve au milieu de nous. Faisant sortir cette arche. Voilà. Et qui avait combattu pour cette arche? Dieu. Dieu lui-même. Amen. A combattu pour ramener l'arche devant Israël. Alléluia. Mais bien aimé, sur aussi longtemps que nous sommes placés positionnellement, yes, à l'endroit que Dieu veut que nous soyons, qu'importe les temps, qu'importe les difficultés, qu'importe les années que vous traversez, soyez placés positionnellement. Là où Dieu veut que vous soyez, et vous allez voir ce qui se passe. Dieu combattra pour vous et vous garantira sa victoire. Alléluia. Maintenant, quelle est notre position pour nous qui sommes en Christ aujourd'hui? Notre position d'aujourd'hui, c'est d'être dans le message de Dieu. Être dans le message de l'heure. Amen. Être dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la position d'un croyant des états du temps. Amen. Vous devez être dans la portion du Saint-Esprit. Amen. Pas le Saint-Esprit. Je vais dire, permettez-moi que je dise ça parce que je suis du message. Je crois tellement les prophètes. Tout ce qu'ils disent devient est l'absolu. Amen. Dans ce message, il n'y a rien à retrancher. Amen. Il n'y a pas ici, non, le prophète s'est trompé ici. Ici. Amen. Il n'y a pas de question, non, vous savez ceci. Mangez tous les livres. Amen. Est-ce que vous pouvez manger tous les livres? Amen. Ah, je croyais que vous allez tous crier. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui enlèvent un peu. Ah non, ici, vous voyez tout ça. Non, moi, je n'ai pas cette capacité-là. Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas l'arbitre du prophète. Amen. Je n'ai jamais reçu cette commission de juger le prophète. Il faut manger. Amen. Amen. Prenez l'agneau du sacrifice. Mangez le prophète. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger les tripes? Les tripes, oui. Pas vous. Oui. Moi, je suis en destin, j'aime manger. Amen. Ceux qui m'ont besoin, moi, je n'ai pas. Oui, la terre, Kaba. Amen. Jusqu'à ce que vous deviendrez vous-même le désert. Alléluia. Vous serez une parole fécule. Amen. Ce ne sera pas non. Écoutez, une citation comme ça, non? Non, mais Dieu n'est pas une bibliothèque. Même non. Dieu n'a pas de bibliothèque. On veut que nous devenions des épîtres vivantes. Amen. Ça, c'est... Une épître lue comme ça, vous lisez, il n'y a pas de vie dedans. Mais lorsque quelqu'un vit la vie de Dieu, il exprime l'amour de Dieu. Amen. Comme mes soeurs, vous exprimez ce qui est parlé dans la parole. Quand vous exprimez cela, vous devenez maintenant, Frère Bonhomme dit, vous devenez un tonnerre pour le diable. Amen. Satan n'a pas aussi peur des gens que vous dites les citations. Oh, ici, il y a ceci, là-bas, il y a ceci. Non. Vivez une cette citation. Et le diable tremblera devant vous. Et exercez-vous à pouvoir le faire. Commencez par vous entraîner, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'on va en combat, qu'est-ce qu'on fait? On fait des entraînements. Amen. Frère Branham dit, quelqu'un lui pose une question, c'est dans la prédication sixième sens. Il dit ceci, bon, il faut s'entraîner. Hein. Il dit, vous va avoir développé un complexe. Oui. Développer un complexe que quelqu'un ne m'aime pas. Qu'est-ce que je peux faire, Frère Branham? Il dit, commencez par les mains. Amen. Amen. Yes, sir. Amen.
Vous avez cette capacité de commencer à vous exercer. Vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, chaque jour vous voyez, bien aimé, que Dieu te bénisse. Première fois, ça sera hypocrite. Mais la seconde fois, que Dieu te bénisse. Troisième fois, quatrième, jusqu'au vous arriverez au point, ça sera plus hypocrite. Ça sera quelque chose du vrai en vous. Et vous aurez vaincu ces complexes-là. Et vous allez voir, votre pire ennemi devient votre pire ami. Votre meilleur ami, j'allais dire. Bien aimé, vous vous embrassez. Mais il y a quelques temps, vous étiez... Que Dieu te bénisse. Donc, les gens doivent s'entraîner. Et nous devons nous entraîner à être des bons chrétiens. Nous devons nous entraîner à vivre ce message ici. Vous vous levez le matin, je vivrai le message. Ça ne sera pas un message parlé, mais un message vécu. Je sais que vous avez beaucoup de pression. Dieu ne m'a pas donné la grâce d'être dans une ville comme la vôtre, une très jolie ville, avec une très bonne église. Nous, on est un peu petit. Donc Dieu ne m'a pas donné cette confiance-là. Mais n'empêche qu'il attend de vous que vous puissiez être les représentants de Dieu ici. Amen. J'ai une citation ici, mais parce que le pasteur n'est pas là, je ne pourrai jamais donner beaucoup de choses. Frère Branham dit, lorsque Dieu vous envoie, tout le ciel est derrière vous. Lorsque Dieu vous envoie, tout le ciel est derrière vous. Cette révélation. C'est pourquoi c'est avec cette révélation que David a battu Goliath. Parce que Goliath ne faisait que terroriser les gens. 40 jours, présentez-moi quelqu'un ici. Et Frère Branham dit dans la prédication de la foi, il dit, lorsque le diable connaît votre faiblesse, il mettra son épée à votre gorge. Il dira, toi tu as fait ceci. Et le diable savait qu'il n'y avait aucune personne pour prendre la relève. Il s'est arrangé à leur dire, bon, maintenant, faisons la bataille par représentation. Sortez quelqu'un de votre côté et on en sortira aussi de notre. Vous voyez, c'est lorsque le diable sait qu'il était, il est fort. Mais c'est que le diable ne savait pas. Que lorsqu'il faisait ces choses, il y avait un petit David. Que Dieu avait préparé à l'entraînement. Et Dieu a commencé à lui envoyer d'abord un ours. Il a fait de lui un berger. Fidèle. Et lui envoie maintenant un ours. Et David dit, moi je n'ai pas volé. Mais si cet ours s'en va, les gens diront, mes frères qui sont là-bas à Abinadab, et tout ça, ils diront, c'est David qui a volé la brebis des papas. Je vais défendre cette brebis. Et David a coupé la tête de l'ours. Il a retiré la brebis. Dieu voit. Oui, c'est ce qu'a dit le prophète, oui. C'est dans la prédication, un homme envoyé par Dieu. Amen. Il dit, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie encore une autre puissance, plus puissante que l'ours. Il dit, si vous regardez en ce qui concerne la force, donc le lion est plus puissant que l'ours. Et Dieu lui envoie l'ours. Pendant ce temps, Goliath s'entraînait avec les armes. Mais là-bas, Dieu entraînait David au courage, à la capacité, à l'onction. Amen. Et David savait qu'aucune personne ne pouvait le tuer. Il avait cette révélation. Pourquoi? Parce que Samuel lui avait mis l'huile sur la tête. Il savait que c'est lui qui est le oint. Même s'il venait devant l'ours, il tapera l'ours parce qu'il a l'onction sur lui. Et il tue le lion. Et Dieu dit maintenant, ok, tu es bien préparé pour aller affronter ce Goliath de l'autre côté. Et Goliath est venu en vers David avec ses dieux. David est parti comme représentant. Donc moi j'étais là. Frère Branham dit, vous devez vous identifier. Il dit, lorsque George Washington combattait là-bas, moi j'étais là. Lorsque Jésus était à la croix, j'étais là. Moi je dis aussi, lorsque David combattait là, j'étais là. J'étais là du côté de David. J'étais là. Parce que David nous représentait. Il représentait les victorieux. Donc s'il avait échoué, nous tous nous aurions échoué. Et David s'est présenté devant cet ennemi. Goliath, un homme très géant. Il a dit, je te couperai la tête. Il avait tellement d'assurance que ses frères lui disaient, oh, yeah, c'est le fou. Vous voyez l'orgueil. Yeah, toi yeah, bah yeah. Mais David a dit non, moi je combats pour l'armée de l'éternel. Alléluia. Il ne s'agit pas d'orgueil, frère. Prenez les choses à la main.
Si quelqu'un ne veut pas venir à l'église, je serai à l'église. Amen. Si quelqu'un ne se décide pas de venir à l'église le dimanche, moi je serai là. Amen. Si quelqu'un se dit qu'il a trop d'occupation pour s'occuper du Seigneur, je n'aurai pas d'occupation pour m'occuper du Seigneur. Donc prenez cette position pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre position en Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas que nous puissions citer tas de citations concernant le message. Ça n'aura pas de fait. Ça n'en aura pas. Vous pouvez faire un débat intellectuel avec quelqu'un, tu dis non, voilà ceci, c'est cela. Vous ne convainquez pas une personne avec ça. Mais une vie vécue. C'est ce qu'était ce message dans ses débuts. Ça fait des années, moi, j'écris dans ce message. J'étais très jeune lorsque j'écris un message. Ne regardez pas ce que je fais, je suis un vieil homme déjà. Donc, ça fait des années, avec votre pasteur, nous avons cru, très jeune, on est venu dans ce message. Ce n'était pas la rigolade. Ce n'était pas comme si on pouvait s'aventurer, faire le message. On ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un qui tient une brochure. Vous vous sentirez tellement condamné. Parce que ces gens-là, on disait, « Bats-toi dans la sacrana, va monter. » C'était ce qui représentait ce message ici. Et pour nous, c'est tellement précieux que je donne un conseil aux frères, je donne un conseil aux sœurs, de pouvoir garder ce message pur. Amen. Et la seule manière de garder ce message pur, c'est d'essayer de vivre ce message. Amen. Si vous tombez aujourd'hui, recommencez demain. Amen. N'essayez jamais de vous mettre par terre. Amen. Et de vous considérer que vous n'êtes rien. Amen. Là, c'est l'ennemi qui vous dit que vous n'êtes rien. Amen. Vous avez de la valeur devant le Seigneur. Peu importe ce que vous êtes. Frère Bonham dit, pour en terminer, il dit, cette sœur qui est sauvée dans la rue, que vous appelez prostituée, la grâce qui lui a été donnée est la même grâce qui m'a été donnée. Amen. Il n'y a pas deux grâces ou des grâces différentes, je ne sais pas comment, c'est la même grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Essayons de refléter cette grâce que nous avons reçue pour que quelqu'un, lorsqu'il s'approche de nous, il sente notre douceur, il voit... N'allez pas dans les discussions. Ça, j'ai donné un conseil aux frères. N'allez pas, frère, cette citation, frère, l'obéi pour mon église là-bas. Non. Si quelqu'un croit connaître plus que vous, remerciez le Seigneur. Dites, frère, je ne connais rien. Et que Dieu te bénisse pour la portion que tu m'as donnée. Quand bien même il peut te donner des erreurs, si tu sais que c'est une erreur, laisse cela simplement. Mais ne navrez pas dans la discussion des choses comme ça. Ça créerait en vous des sentiments que Branham n'avait pas. Frère Branham appelait ses pires des personnes qui les critiquaient. Il les appelait ses amis. Le prophète appelait ces gens qu'on ne pouvait pas considérer, il les a considérés. Et nous, lui qui avait cette approche avec l'ange d'Éternel, qui pouvait voir la présence physique du Seigneur à travers le Saint-Esprit, la colonne de feu. Il avait une attitude pareille. Qu'en est-il de nous? Donc, ma recommandation, ce que je vais dire à l'église ici à Bruxelles, soyez des gens humbles. Amen. Vivez votre vie chrétienne humble. Ne faites pas des tapages. Parce que vous avez mis une longue jupe et que vous voyez une autre sœur qui n'a pas encore mis la jupe, qui va en pantalon. Sœur, où est-ce que tu as un pantalon? Ça, c'est pas la vie que la sœur, frère Branham a dit. Dans certaines citations, il dit, vous savez, un frère m'a critiqué parce que dans mon église, il est venu une sœur qui avait une très courte jupe. Et lorsqu'elle est venue, cette sœur-là regardait, elle dit, ce frère plutôt, qui dit, mais moi, ma femme, tout ça. Il dit, mais c'est qu'il ne savait pas que sa femme avait un caractère qui pouvait affronter une scie électrique. Donc, elle avait un caractère très méchant. Alors que cette sœur-là, elle pouvait être changée. Elle pouvait être corrigée. Vous ne gagnerez jamais des âmes ici à Bruxelles en allant toujours dans la condamnation. Vous voyez votre frère qui est tombé, tenez-le par la main, relevez-le, faites cela dans les silences. Que cela soit entre vous simplement. Et il appréciera cela. Parce que quand quelqu'un est tombé, il se trouve déjà dans une posture difficile. Et vous devez gagner cette personne par l'amour. Savoir quelle manière lui parler. C'est pourquoi si vous connaissez qu'il aime cette sœur, et que cette sœur-là est tombée, donnez-lui la personne qu'il aime le plus, qui puisse lui parler. Amen. Parce qu'on n'écoute jamais un conseil de quelqu'un qu'on déteste. Amen. Celui qu'on déteste, s'il vient te donner un conseil,
tu sais, Azo Tcholangaï. Mais si une personne t'aime, te donne un conseil, cela va droit dans le cœur. Ceci concerne l'éducation de vos enfants. Amen. Ça concerne que le temps, que cela puisse prendre des temps. Restez fidèle avec ce message. Amen. Et aimez le Seigneur. C'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Frère André, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse tous mes frères et toutes mes soeurs qui sont ici. Toutes les armes du diable sont tournées contre lui et sa femme. Vous savez, parce que les serviteurs de Dieu endurent. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont vu leurs enfants des têtes coupées. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont vu leurs membres de famille. Tout ça, c'est pour que le diable leur fasse baisser la tête. Et il faut qu'il y ait derrière lui des gens qui l'aiment. Des gens qui sachent toujours être auprès de leur pasteur. Si vous les voyez dans l'erreur, priez pour lui. Aimez-le profondément. Et vous serez une église bénie. Amen. Même s'il n'y a pas de don, laissez cela. Le grand don, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il agira au milieu de vous, guérira les malades, s'occupera de vous et conduira son église. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Je vous avais dit au départ que nous serons richement bénis. Et je crois que ça a été le cas. Est-ce que vous pouvez donner une acclamation? Une journée spéciale. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Amen. Si je dois vous dire une chose, en dépit de tout ce que le frère a dit, tout ce que vous pensez pouvoir faire, il y a quelqu'un qui est là, qui a pris la responsabilité, qui vous a dit, mais mon fardeau, amenez-le moi. Amen. Amenez-moi vos fardeaux et lui seul le portera. C'est celui qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle, la Bible dit, est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Apprenons simplement à lui faire confiance dans tout. Là où tu as échoué, fais-lui confiance. J'ai essayé ici, j'ai essayé de me débattre là. J'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de vivre la vie chrétienne. Je ne suis pas arrivé. C'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous à toute la victoire. Amen. L'ange de l'Éternel qui nous conduit, il est toujours là, il sera toujours à tes côtés. Il te conduira, il te fortifiera. Et ce que Dieu aura décidé, personne n'a le pouvoir d'annuler ça. Amen. Il n'y a personne qui fera échouer ce que Dieu a résolu. Amen. Selon son dessein, la Bible parle. Amen. Selon son dessein, selon tout ce que... Frère, vous vous imaginez que vous allez vous lever le matin ici, venir ici, comme le frère disait ici, vous allez faire des sacrifices, vous venez ici pour rien? Dieu n'oublie aucun des bienfaits. Amen. Tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fait, vous pensez que c'est vous qui le faites, mais il y a une puissance derrière qui vous pousse. Amen. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé, qui vous a amené jusqu'ici, celui-là à qui vous avez fait confiance, gardez toute votre confiance en lui. Amen. Ne faillissez pas. Ne vous découragez pas. Faites tout simplement confiance au Seigneur. Quelqu'un te maltraite, fais confiance au Seigneur. Même un chef te maltraite au travail, fais confiance au Seigneur. Même on te chasse à un endroit, fais confiance au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu prend soin de ses enfants. Il ne permettra pas que quelqu'un mette son doigt dans son œil. Parce que toucher ses enfants, c'est comme si on mettait son doigt dans l'œil de Dieu. Amen. Il dit, vaut mieux qu'une telle personne soit qu'on puisse le lier au cou avec une mule et qu'il soit précipité au fond de mer. Faites confiance au Seigneur. La seule chose que je vous demanderai quand vous partez d'ici. Vous avez été malade, faites confiance au Seigneur. Vous souffrez, faites confiance au Seigneur. Vous cherchez le mariage, faites confiance au Seigneur. Vous êtes maltraité, faites confiance au Seigneur. Dieu combattra pour vous. Il a mis un ange. Et l'ange est là
Et vous savez qu'en fait, la manière que Dieu nous conduit, il nous conduit par sa parole. C'est pour ça qu'il a envoyé un esprit puissant ce matin pour venir vous parler, parce qu'il veut que vous soyez entraînés par la parole. Par la parole. Par la parole. Son entraînement, c'est par la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et que votre foi continue à augmenter en faisant confiance à Dieu. Ne regardez pas vos échecs. S'il y a quelque chose que Dieu a fait réussir dans votre vie, accrochez-vous à ça. Et le Dieu qui a fait réussir une chose, le fera pour une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, jusqu'à ce que la victoire sera complète. Gloire à Dieu. Faites-lui confiance. Notre Dieu n'est pas un homme. Nous savons qui nous servons. Il n'a jamais failli par le passé. Il ne faillira jamais. Frère, que notre Dieu faillisse, qui va réussir si Dieu faillit? J'aimais bien ce que le frère a dit. Là où les gens pensaient qu'ils pouvaient combattre, ces soldats qui combattaient pour Dieu, quand ils s'est retrouvés seul à seul avec Dagon, pour vous montrer que ce ne sont pas vous les hommes qui combattez, mais c'est Dieu qui les fait. Amen. Alors on s'asseoir à seul. Il a dit maintenant, je vous montrerai que tous vos combats là que vous dites, vous nous sommes des grands généraux et c'est nous qui le faisons. Ici, je suis seul. Il n'y a personne qui viendra prendre ma défense. C'est moi qui vous défends. C'est votre Dieu qui vous défend. Amen. Amen. Vous avez un défenseur vivant. Nous venons du ciel et nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Juste reconnaissez votre position. Restez là. Le Dieu qui vous appelle est fidèle. La Bible parle. C'est lui qui vous appelle est fidèle. Il vous a appelé, il est fidèle et il le restera. Montrez-moi une personne qui aura fait confiance au Seigneur et je vous montrerai quelqu'un qui va aller de victoire en victoire. Je vous dis en dépit de tout, dans votre vie. Même si vous avez été enchaîné, même par le péché, faites confiance au Seigneur, c'est lui le libérateur. Amen. Alors nous ferons comme il l'avait dit, comme le frère l'avait si bien dit. Tu arrives devant la mer Rouge, tu arrives là. Dieu lui-même conduira, il va conduire tes ennemis par le chemin par lequel il va les noyer, il va les finir. Et quand tu retourneras derrière et qu'il te verra, tes ennemis en train de flotter sur les eaux et sur la mer, alors vous saurez que Dieu est Dieu et vous apprendrez à faire confiance à Dieu à partir de ce qu'il aura fait pour vous. Amen. Une relation interpersonnelle, c'est ce que le frère a dit. Ayez cette relation, ce rapport interpersonnel avec Dieu. Ne regardez pas ce que votre voisin a dit. La personne que tu penses même être spirituelle, tu ne connais pas s'il est spirituel ou pas. Ne regardez pas quelqu'un seul à seul avec Dieu. Une expérience avec Dieu. Et même si le monde t'accuse ou te dit, quoi que ce soit, les témoignages de Dieu, la Bible dit, est plus grand que les témoignages des hommes. Amen. Amen. Frère, nous allons nous mettre debout. Prenez une attitude et nous allons prier le Seigneur. Nous allons juste faire un exercice ici, faire confiance à ce Dieu qui marche au milieu de nous. C'est Dieu où tout, là où le message, la parole de Dieu, se trouve, là Dieu se trouve aussi. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Faites-lui confiance. Dites-lui, toi Seigneur, tu es là. On a appris, ton serviteur l'a dit, que ce Dieu, il est toujours là en train de nous conduire. Et il a promis de nous faire arriver dans le pays, là. De nous faire arriver dans le pays, de nous établir dans le pays. Ce que je n'ai pas été capable de faire, Seigneur, tu sais là où je dois arriver. Je peux regarder derrière et je peux dire, je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis peut-être pas encore arrivé ce que je devrais être. Mais je suis quelque part en chemin. Et sachez que Dieu ne vous laissera jamais. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Alors que l'onction du Saint-Esprit est dans cette salle et dans ce local. Ce Dieu qui a fait de vous des David, ce Dieu est ici maintenant.